je commence avec ta tête en miniature sur la vidéo. Salut Seiden, bienvenue dans une méga rampe, les gars. Je sais pas, elle a l'air hyper compliquée. En espérant que personne l'ait testée, parce que ça fait longtemps, je crois qu'elle est sortie. Mais vraiment, les gars, elle va être hyper compliquée. Je vous le dis, Ah ouais. Bah, je le pense. Je l'ai pas testé, mais j'ai peur. Non, elle a jamais fait. Elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle est belle. Ah ouais, ça c'est de la méga rampe, ça. Ça va faire des belles minières là. Wouah, bah écoutez les gars, qui c'est qui est tombé? Et c'est moi. Bah, on m'a fait une tête à queue, les gars. Bah pareil, j'ai explosé. Et par contre, les gars, je crois qu'on va remonter, mais pas en avion. À la fin, quoi. C'est trop. Ah, on monte en scram G. Ouais, parce qu'il y a un tuyau en dessous. Ah ouais? Ouais, il y a un tuyau. Oula, oula. Là, par contre, les gars. Pas mal. Eh, mais attends, moi je peux pas passer. Full film stream, non? Pourquoi? Bah, j'ai un véhicule qui passe pas, qui peut pas passer. Ah ouais? C'est quoi? Bah, j'ai la Buffalo machin, bah je suis obligé de passer sur la même. J'ai aussi celle-là, mais je peux pas passer moi. Attends, je viens de passer sur le côté. Je viens de passer sur le côté en wall ride. Jure, bah attends, bah c'est bon, je suis passé. En fait, j'ai eu peur parce que je me suis dit, bon bah à mon avis, les gars, je vais quitter. Mais ça va. Mais non. Ah oh ouais, ça fait comme. Waouh. C'est bizarre, hein, ça a l'air très étrange. Je suis encore au premier véhicule. Qui ferait trop bien, je crois. Comme quoi elle est jolie la rampe, mais c'est vrai que... Elle est stylée. Les bugs de spawn par contre, les gars, hein. Déjà. Ouais. Au bout d'un moment, ouais, elle est injouable. Mais attends, techniquement. Attends, les gars, je suis 16ème, je suis dernier. Attends, si tu vas sur le tuyau... Non, là, si, en vrai, les gars... Vraiment light. Aïe, j'ai explosé. En vrai, il faut aller un peu sur le côté, les gars. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. Bon, je vais le faire complètement sur le côté, moi. ZKV. Les gars, j'arrive pas à me concentrer parce que je sens une fine odeur comme ça incroyable. Je sens une odeur d'un plat qu'on est en train de me faire là. Et j'avoue que là, je l'imagine et je vais le déglinguer. Est-ce qu'il y a du Elmorgène à l'intérieur? Non. Je sens une tortilla aux patates comme ça. Oh là 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 là. Trop beau. Avec des œufs. Oh là 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 là. Ça va être incroyable. Bon, par contre, la question c'est, est-ce que toi tu fais des bons gâteaux, Eden? Alors, je peux le dire maintenant parce que j'ai plus besoin, mais et d'ailleurs je pense que je le redirai plus tard, mais... Eden Cook. Non, en fait, mais premier degré, hein, les gars, je vous jure c'est vrai, je vous montrerai si... Mais normalement vous êtes au courant, si je l'avais déjà dit. Mais je devais participer à une émission à la télé sur M6 qui s'appelait Les Rois du Gâteau. Je m'en fous, je peux le dire parce que l'émission n'existe plus, je crois. Ou ouais, elle existe, mais genre ça s'appelait Le Meilleur Pâtissier, je crois. Bref, et en gros, je devais participer à Les Rois du Gâteau et tout, donc j'avais été sélectionné, je devais y aller, mais j'ai attrapé le Covid. Donc le destin a bien fait choses, que vu le gâteau, frérot... en fait, la meuf du casting... Non mais en fait, je vous jure, c'est vrai. Ils me contactent, ils me disent, voilà, on est M6, on est l'équipe de production, je sais plus c'était quoi, Endemol, je crois, mais ou je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, et ils me disent, du coup, il faudrait que tu fasses un gâteau. Et du coup, si jamais, imaginons, tu gagnes, bah ton gâteau il sera exposé dans la boutique de Cyril Lignac pendant quelques mois, etc. Tu vois. Donc moi déjà, je me dis, ok, bon alors attends, je vais aller voir vite fait Cyril Lignac, c'est qui. Donc je regarde les gâteaux qu'il fait, frérot, c'est incroyable. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire. Elle me dit, bah crée un gâteau, peu importe, et tu nous envoies juste une photo et nous voilà. Elle me dit, crée une histoire à ton gâteau. Alors moi j'avais fait un gâteau, il était catastrophique, c'est un gâteau au chocolat. Et en fait, pour masquer tout le côté où il était cassé, parce que j'ai fait un démoulage, frérot, il était horrible. Du coup, j'ai mis une espèce de crème, en fait, pour recouvrir, tu sais. Genre, enfin bref. Est-ce que t'as encore des photos? Pas du tout. Je dois, ouais, peut-être. Faut que j'essaie de retrouver, en fait, mais c'est possible. Et bref, elle me dit, crée une histoire à ton gâteau. Bah, moi, je lui ai dit, bah voilà, quand j'avais pas beaucoup d'argent, bah c'est vrai qu'on faisait des gâteaux avec les restes, machin. Enfin voilà, une vraie histoire, sympa, tu vois. Et elle m'a dit, tu vas l'appeler comment? Je l'ai appelé le Mont Blanc parce qu'il était tout blanc le gâteau, tu sais, pour cacher encore une fois le gâteau tout pété, tu vois. Sauf que après, elle me dit, ah bah franchement, super cool, on adore et tout, super sympa. Et puis en plus, il kiffait ma bonne humeur. Ça, c'était un truc vraiment, il voulait que je vienne pour ça en fait, finalement, tu vois. Et peut-être par un truc, je me dis, attends, mais je vais quand même aller regarder ce qu'ils font les autres. les gars, on va faire net, on va faire, ça va être précis, hein, d'accord. J'arrive pas à passer en police, hein. Pas en police non plus. Mais ouais, impossible à passer, gros. Ah ouais. Mais ouais, du coup, bah pour faire simple, hein, vous tapez sur internet les rois du gâteau et vous regardez. Hein, je pense que c'est mieux pour vous. J'ai pas à décrire. Disons que vous voyez Cédric Grelet ce qu'il fait.
Ouais. Eh bah c'est du Cédric Grolet, sauf que moi c'est plus Cédric Grolard qu'autre chose quoi. Ah ouais. Non mais vraiment c'était horrible quoi, sans déconner. Alors j'ai peut-être une idée les gars. J'ai une idée incroyable, je suis un génie. Ouais, vas-y. C'est quoi? Dis-nous. Bah je vais tricher. Bah comment? Tu veux passer sur le tuyau, ça marche pas, j'ai essayé. Comment ça? Ça va le voir comme un singe. J'y suis là, attends, j'y suis. Tu viens de gâcher tous tes espoirs. Non, non, c'est parce que tu sais pas tricher, gros. Ah bah oui, ah oui, ça emmène vers le bas. Ah oui. Aïe, aïe. J'avais pas essayé. Ah ouais, ça triche sec ici. Hein. Mais bref, du coup, ouais, j'ai pas fait les rois du gâteau, justement, parce que bah j'ai attrapé le Covid ce jour-là et j'étais sur un clip juste la veille en plus. Allez sur les coms. Non mais ta chaîne Aiden Cook là, tu faisais des plats de fou hein. Attends, ouais, ça va. C'était pas Eunwin qui s'était ouvert la main sur cette chaîne. Bah, en fait, depuis qu'il s'est ouvert la main, j'ai vraiment, encore aujourd'hui, j'ai un traumatisme des couteaux. Genre, j'arrive pas à couper et tout. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo au zoo où je coupais la viande pour les lions et tout. Bah, le couteau, c'est un truc, j'avais ma phobie quoi. Genre, j'avais pas envie. Bah, tu m'étonnes après avoir vu qu'un truc comme ça. Après, vu comment il a dû se sourire aussi. Ah, mec, c'était vénère. Ouais. Bah frérot, je venais de laver ma voiture, chez moi il y avait un bain de sang quoi, enfin c'était... Mais vraiment... Oh. C'était... Comment toi t'es passé chez ta vente là, alors là... Mais les gars, les gars, je suis en wallride les gars, passé en wallride, je viens de passer. Même Mais même en wallride, hardcore, la rampe elle est belle mais c'est vrai j'ai que... J'ai eu trop de chance moi. En wallride j'ai eu là, tu peux en freestyle et faut espérer que ça... Mais je crois que tout le monde n'arrive pas à passer en voiture police hein. Ouais, on est 6 je crois à être passé. Ou alors il faut vraiment prendre de l'élan de fou. Elle est vraiment hard. Ah ouais. Frérot. Fort, alors. Mais attends, elle est dégueulasse, c'est vrai en plus, c'est dur. Bah ouais gros, elle est... je sais pas. Il a mis trop bas, en fait il aurait dû... ça descend pas. Moi Denis. Mais c'est... Elle touche la TC par contre les gars, sans déconner. Moi c'est pour le style, moi j'ai pas que je suis ça, tu vois. Ah ouais. Ouais les gars vraiment. Mais y'a un gars, il passe normal frère, comment il fait? Non mais je crois que c'est moi. Vous passez bien à droite, vraiment. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Où la droite? En wallride les gars. Ouais. Mais j'ai bien fait wallride moi. Mais bien wallride genre Vas-y attends je vais dire. Non je tombe à la fin. Ah ok ok j'ai compris la raison. Mais... Oh là là. Ouais, vous le prenez vraiment en wallride abusé. Et il a raison. Oh là il a raison. J'ai dit voilà. Mais je m'en fous. Non, là, c'est pas... Il est passé. Je m'en fous. C'est bon je suis passé. Bah c'est parfait merci. Et j'ai la scramjet modée. Parce que du coup les gars je suis sur mon nouveau compte, j'ai la scramjet modée, elle est incroyable, je l'avais pas vu. J'ai des roues de ouf dessus là. Ah t'es bien les gars, en fait. Vélo vous passez bien à droite aussi hein. Hey en fait la méga rampe elle est à mais droite. J'ai suivi JR, je vais péter un plomb. Mais qu'est-ce qui saute ce compte JR? Mais non mais c'est vrai, pourquoi il fait ça? Oh là là, JR c'est pas possible, j'en peux plus de lui hein. JR je n'en peux plus de toi, je n'en peux plus. Pourquoi tu sautes et moi j'ai sauté? Et Matt il bouge plus les gars. Mais il a sauté où? Bah en fait il était en scramjet, il a esquivé le ralentisseur tu sais. Et moi je l'ai suivi quand même. Ah ouais. J'avais fait la même. Eh je suis en vélo frère, il passe normal ou pas le vélo? Oh Denis sale batte. Bon les gars je dis je suis. Oh Denis. Oh, je passe incroyablement en vélo. Bah ouais, vélo c'est magnifique. Vélo, ambulance, ça passe easy. Non, ambulance easy, comment ça frère? Je le one shot. En derrière, je suis plus qu'en ambulance. Va à droite, tout est à droite les gars, je vous dis, allez bon. À droite de la bah, je, ce que je fais en ambulance, mais ah, je me ramasse à chaque fois. Looping en fait finalement quoi, à chaque fois. Ouais, t'as dit. Bah okay, ouais, t'as testé quand toi du coup looping, quoi. Bah alors, j'aurais pu tester durant un temps. Ouais, le vélo de fou. Il y a un temps, je pouvais tester. Ouais, j'espère t'as compris. Non. Il y a un temps, je peux... Comment ça? Bref, en gros, à partir du moment où Chétan y a donné la strade, vous allez toujours à droite les gars, c'est tout. Ah ok, oui, comme ça. Oh, l'ambulance, quand tu dis elle passe. Regarde, en vrai ça passe. Mais c'est un peu cata. Je suis resté longtemps moi bloqué. Hein. Les gars, je viens de faire un truc de ninja, les gars, la tête de WAM. J'étais 16ème, je suis 3ème. Mais même moi, je suis 8ème là, je prends des places à mort. Je suis 7ème, j'étais 2ème. Moi, je suis 11ème, les gars. Mais on a quoi après, Pepa? Oh la Panto. L'ambulance, Panto. Ah, parce que t'es après la Panto, toi? Kika, il a 2 minutes d'avance sur moi. C'est qui casse le premier? Ouais. What? Mais à lui, mais attends, mais il a quel point? Ah ouais, ambulance les gars, je l'ai passé aise la panto les gars. Non, Didré!
il m'a dégomme. Ouais, enfin, je l'ai dégomme. Un peu à droite. Ah, il s'est bloqué. Ah, mais c'est Danny. Ah, oh, vas-y, j'ai explosé la panto là. T'as dit S machin, hop. Mauvais oeil. Mais je te promets, c'est S. Eh ouais, mais moi j'ai des bagages et tout dessus. Ah ouais, le gire, il esquive le ralentisseur à la fin, ce gros rat. Ouais, mais après, tu gagnes pas abusé, je pense. Hein. En fait, je pense qu'Ika il a mis une tempête parce que vraiment il a compris ça dès le début. Hein. Mmh, ouais. Mais gros, il a 2 minutes. Eh, la panto, attends, la panto, tu l'as passé comment, sur le côté? Côté, sur le côté, ouais. Tout sur le côté, ah ouais, tout, mais tout, ouais, tout. Mais ouais. Côté tout à mort, alors, hein. Okay. La panto, ouais. Non, plus, panto, moi, on passe bien pas si tu vas à fond au côté. Ok, alors attends. Eh, j'ai le bug de spawn. Ah, yes. C'est bon. Rockstar, ils veulent pas arranger ce truc. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mike? Ouais, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Bah, je fais rien, gros, et toi? Gros, Aziz, ah ouais, t'as Kika, vraiment... il l'a testé, Kika, c'est pas possible. Comment il a su qu'il fallait faire ça direct? Parce qu'une fois que tu sais qu'il faut faire ça, c'est easy, en fait. Bah oui, bah... Easy, ouais. En fait. Oh, mais les ambulances, les gars, je galère de fou. Zedkoï, t'es loin, là? Non, t'arrives pas, Dani? Bah, moi, je tombe toujours au dernier truc, gros, mais ça fait 15 fois. Mais faut vraiment le prendre sur le côté. Bah ouais. Tout le long. Après, c'est un peu du n'importe quoi à la fin. Hein. Ouais, franchement. Ouais. En fait, tu vois, tu prends bien à droite. Il y a des véhicules, ils sont épaves, donc c'est chaud. Bien, bien à droite, et au fur et à mesure, tu retournes. Mais faut pas aller trop haut parce que ouais, sinon. Ouais, vas-y, le véhicule militaire. Ah, j'ai dépassé cette queue. T'es où? Mike, oh Mike, là la là. Vie. Qu'il va Mike, un conseil, Mike. Arrête de suite. Arrête. Oh, vas-y, là, ça m'a fait spawn sur le côté. Là, il est parti à droite. Waouh. Il est parti dans le vide au pays des merveilles. Non mais vas-y, j'ai mis 20 ans pour qu'on me dégomme. Wouah, hey, y'en a, ils ont trop d'avance par contre, sans déconner. Hein. Wow, Mike, explose. J'ai poussé JR sans Dani. Pas ouais, moi. Est-ce que je te fais grand berger ou pas aujourd'hui, Dani? Bien sûr. Regarde, écoute bien. J'ai visé la lune, fini parmi les étoiles, j'ai mon pote. J'ai visé la lune. Est-ce que tu kiffes ou pas? T'as misé la lune. Moi, je connais bien. C'est un truc j'ai misé la lune, fini parmi les étoiles, les gars. Je sais pas comment t'as misé la lune, mais... Ouais, visé la lune. Mais attends, redis ta phrase éclatée, là, vas-y. Mais on est d'accord, j'ai il a bien... Visé fini il, parmi a dit, les il a dit misé, j'ai hein, d'accord. J'ai visé la lune parmi les étoiles. Non. Eh putain, ça fait deux fois que je le fais. Oh. Attendez, les gars, écoutez ce qu'il dit, parce que je vais essayer de comprendre sa phrase. Voilà, regarde, écoute bien, écoute. J'ai visé la lune, fini parmi les étoiles. J'ai visé la lune, fini parmi les étoiles. Mais t'as deux choses, les gars. Alors, il y a deux choses. Déjà, il manque de la grammaire dans ton truc. Bah non. Il manque de la grammaire. Bah non, mon pote. Bah. Il a fini parmi les étoiles. Les gars, il faut un objectif. Je finis parmi les étoiles. Ouais. Bah non. Vas-y, là, c'est quoi ce truc, là? Bah tant mieux, j'ai explosé, hop. Et donc, il fallait pas arrêter le premier. C'est quoi ta phrase, elle vient d'où? Bah, gamberge, c'est tout. Je te fais gamberger, moi. Moi, je gamberge pas du tout, là. Ah ouais? Je me demande juste si t'as pas fumé un truc, c'est vas-y, bah, attends de me faire gamberger, mon pote, vas-y, attends. Oh, t'es frite, là, pote. Ah là là! Là, tu dois l'insulter de base, voilà. Là, faut la. Regarde comment ça focus! Vive la Belgique! Arrête de parler mal des frites. Frérot, franchement, la Belgique, je vous aime, hein, mais j'ai goûté vos frites, c'est trop surcoté, les gars. Non, t'es un fou, non. Ou alors j'ai goûté parce que j'ai goûté une friterie belge ici. Encore. Non, tu peux pas avoir goûté des vraies frites belges, je te jure, tu peux pas dire ça. Encore, tu serres à droite. Encore, non. Mike, je vais te... Mike, gros, laisse-moi tranquille. Tu veux que je te dise j'ai qu'est-ce qu'il fait? Et regarde où ce que j'ai spawn. Bouge, c'est normal, bouge. Ah, t'es sûr? Oui, bah oui. Il est parti où JR? Ah, il a fini, c'est bon. Tu sais que moi j'ai mangé des frites, du coup c'est comme ça que je sais faire l'accent belge. Ah ouais? Bah oui. Bah ouais. Je comprends pas, monsieur, pourquoi vous me parlez comme ça? Mais tu parles vraiment bien en plus, hein, c'est ça le pire. Je sais que j'en fais, mais regarde ce que j'ai. Mais. Bah, pourquoi j'ai spawn sur le tuyau en scramjet, les gars? C'est normal. Oh là là. Technique de Franklin, technique. Et voilà, c'est bon. Qui technique de Trevor, frérot. Là, d'à côté. Allez, Yaya. Bah, les gars, je. Ouh. Ah, le bal. Ah, il a reconnu son pote, le Jaytan. Ah, vas-y. Tu mets des mots-clés. Yaya, pote, PJW. And the winner is, tout simplement. Non, j'allais finir devant toi. Ah, c'est des choses qui arrivent.